Non, mais là, les gars, clairement, vous êtes pas prêts. Waouh, j'ai accumulé en vrai. Sachant que tout n'est pas encore arrivé, donc peut-être que ça va arriver d'ici là. On croise les doigts, comme ça, je vous présente tout en même temps. Mais là, accrochez-vous, ça va être long. Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui enfin pour ma vidéo solde. J'attendais de recevoir mes colis. Et franchement, c'est faux, ils ont mis une semaine à m'envoyer les colis, donc j'étais un tout petit peu dégoûtée. Donc du coup, bah, j'ai énormément de choses à vous présenter. Et si vous vous demandez ce qui se passe avec ma caméra, c'est tout simplement parce que j'ai investi. Oui, il était temps. Bravo Marie. Mais on va pas s'attarder là-dessus parce que là concrètement j'ai 3 milliards de choses à vous montrer. On va commencer par Sephora, je crois. Non, même pas, on va pas commencer par Sephora. On va commencer par ça et je vous montrerai au fur et à mesure ce que je reçois parce que voilà ce que j'ai reçu. Parce que je les ai achetés, hein, j'ai fait des soldes. Autant vous dire que j'ai craqué pendant les soldes, hein. Et puis du coup, j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté des tonnes de vêtements aussi. Mais croyez-moi, il fait au moins 32 degrés à la maison là. J'ai juste hyper méga chaud et je ne peux pas me permettre de faire un try on, t'as vu, you know. Parce que c'est pas possible. Je sais pourtant que vous adorez ça, mais quand bien même, au pire, ça fera une vidéo pour plus tard. Et on se le note, on se le note. Alors la première chose que j'ai commandée et je viens de le recevoir à l'instant, pour tout vous avouer, j'étais en train de faire pipi quand le facteur a sonné. D'ailleurs, j'attends encore un colis de chez MAC Cosmétiques. Si le colis arrive, et là peut-être, bah, ce sera bien. Sinon, bah, je vous remettrai, j'essaierai de vous remettre un petit close-up entre guillemets de ce que j'ai reçu. Voilà, c'est que des rouges à lèvres comme d'habitude. Bref, j'ai commandé sur le site de Sponjac, notamment pour les deux nouvelles palettes qui sont enfin, la Moroccan et la Kafkan. Mais ça, vu que c'est pas des soldes, je ne vous les montre pas. Je vous ferai une autre vidéo hors solde. Oui, parce qu'il y a aussi des choses hors solde. Mais j'ai commandé ce qui était en solde, c'est la palette de chez Elsa Makeup, la Rose Gold Sunset, qui passait, il me semble, à 9 euros. Je suis super méga maquillée comme une voiture volée, comme je le dis à chaque fois. Et cette palette, je la voulais depuis un millénaire. Et voilà, je viens de l'ouvrir parce que je viens de la recevoir. Donc j'ai ouvert mon colis. Elle se présente comme ceci. Voilà, vous avez un grand miroir et des grands pans, franchement. Et les couleurs sont juste magnifiques. Je suis ravie, je suis plutôt ravie car cette caméra vous rend justice au niveau des couleurs. Voilà. Et surtout au niveau des couleurs de ma tête. Donc je vais assez vite effectivement. Mais sachez que sur le site de Sponjac, tous les produits Elsa Makeup sont soldés plus. Il y a des vernis qui passent à 1 euro, quelque chose, tout ça, tout ça. Donc foncez! J'ai pas l'habitude de me voir comme ça. En vrai, je suis trop maquillée. Hein. Ensuite, en magasin, je vous avouerai que j'ai pas trouvé grand-chose. Même chez Sephora, j'ai trouvé que deux trucs. Enfin, si, après, je me suis rattrapée. Enfin, bref, j'ai fait l'ouverture de Belle Épine. Donc, j'ai été chez. Comment ça s'appelle? New Look. Ouais, New Look. Je pose à côté de moi parce que ça casse. Alors, la première chose que j'ai pris à 3 euros, c'est ce petit mug Chatoun. Tout mignon, tout beau. Voilà. 4 euros celui-ci. C'est l'autre qui est à 3 euros. Et franchement, il était trop beau. Et je crois qu'à la base, il était à. Il était à 8 euros. Voilà. Donc, je vous ai tout gardé dans les sacs exprès. Franchement, c'est de la bombe. Ensuite, j'ai pris donc celui-ci à 3 euros avec un M dessus. Voilà, tout simplement. On aime bien les tasses ici. Ensuite, spéciale dédicace à ma Caro qui adore les chaussettes et qui m'a offert une sacrée paire la dernière fois. Je me suis achetée pour 1 euro ces petites soquettes chat-licorne. Voilà, on aime, franchement. Voilà, j'attendais trop de pouvoir les mettre. À la base, elles étaient à 3,49 €. Là, elles sont passées à 1 euro. Ouais, bon, j'ai dit oui. D'ailleurs, en parlant de chaussettes, j'ai aussi acheté une paire de baskets. J'ai oublié de la ramener. Je la ramènerai après. Et pour terminer, chez New Look, je me suis pris des boucles d'oreilles parce que je ne sais pas ce que j'ai avec les boucles d'oreilles en ce moment. Vous allez en voir souvent. Elles sont toutes passées à 2 euros. Donc, j'ai pris déjà cette paire
en espèce de, bah de moutarde, voilà. Ensuite, j'ai pris celles-ci, voilà, qui sont avec le haut un peu rose gold et le reste un peu crème, champagne. Et j'ai pris les mêmes en argenté, voilà. Elles sont vraiment trop belles. Si vous voulez comparer les deux, vous voyez, celles-ci, elles sont argentées. Donc toujours à 2 euros, bien sûr. Et j'ai pris encore et toujours à 2 euros cette paire, voilà, de... En fait, c'est des espèces de créoles avec des pompons par-dessus. Voilà. Et puis, bah, j'ai pris aussi celles-ci, tiens. Je les ai prises sur dans le magasin Parfois. D'ailleurs, je vais aller vous chercher, c'est juste là-bas, c'est la vidéo où je vais devoir faire de la contorsionnisme. Et parfois, j'adore aller dans ce magasin, c'est un petit magasin où ils vendent plein d'accessoires. Et j'avais repéré déjà depuis un petit bout de temps ce grand foulard. Alors là, je ne sais pas s'il ressort bien, mais il est vraiment orange brique. Et donc du coup, celui-ci, il est passé à 17,99€. Au lieu de 27,99€. Donc c'est pas des soldes de ouf à chaque fois chez Parfois, j'avoue. Mais franchement, je le voulais, donc j'ai dit bon allez, vas-y. Et cette paire de boucles d'oreilles passait à 5€ quelque chose. J'ai gardé le ticket. Elle passait à 5,99€ au lieu de 9,99€. Ça par contre, ça me va. Et toujours chez Parfois, je me suis pris ce petit sac en espèce de vinyle qui passait à 19,99€ au lieu de 29,99€. Donc vous avez, il s'ouvre comme ça, et vous avez une anse pour l'accrocher, voilà. Et ce qu'il y avait de mignon avec, dans le sac, il y a également un petit porte-monnaie comme ça, voilà. Et puis la anse, c'est une anse en espèce de ferraille comme ça, donc... On dit oui, on est content. Ensuite, bah, on va continuer avec ces faux parce que c'est là où j'ai vraiment le plus craqué. Alors, je me suis commandé sur le site ce coffret de chez Rituals. Vous allez voir, j'ai pris plusieurs coffrets. Celui-ci, alors je sais vraiment plus, je vais pas vous dire les prix comme ça, là c'est sur le site. Mais il semblait qu'il passait à moins de 10€ celui-ci. Donc c'est la gamme Ritual of Ayurveda, où dedans vous avez une mousse pour la douche, vous avez un gommage et vous avez un lait pour le corps, gommage et lait pour le corps, voilà. J'ai repris le même en grand coffret cette fois-ci parce que vous retrouvez la même chose sauf que dedans vous avez l'huile pour la douche. Voilà, je ne vais pas vous l'ouvrir. Hein. Et toujours chez Rituals, mais cette fois-ci de la gamme Sakura, Ritual of Sakura, j'ai pris la même chose. Voilà, avec l'huile pour la douche, etc., etc. Je suis une grande fan de Rituals, donc comment vous dire que là, j'attendais les soldes pour pouvoir faire mon stock. Ensuite, toujours chez Sephora, et ça c'était en magasin, je me suis pris le coffret parfum La Nuit Trésor de Lancôme. J'adore ce parfum, autant je déteste le Trésor tout court. Mais alors, La Nuit Trésor, il sent tellement bon, le packaging est juste tellement beau, mais je ne peux pas l'enlever de la boîte. Ça se présente comme ça et franchement je l'adore, j'avais trop hâte. À la base je voulais aller en Espagne pour pouvoir m'acheter mon parfum chez dans le Grand Marionneau de la Jonquera parce que c'est 30 à 40% moins cher. Et là du coup ils sont tous passés à moins 30%, ça valait vraiment plus le coup. Donc du coup j'ai pris le coffret. Et dedans, vous avez le gel douche et vous avez le lait parfumé avec le lot de parfum, voilà, en 50 ml. Donc ça, et toujours en magasin, chez Sephora, j'ai repris aussi mon parfum Chloé, voilà, parce que je l'adore, c'est un incontournable. Voilà, ça se présente comme ça, la boîte est trop kitschou, c'est trop mignon. Donc vous avez le parfum et le lait pour le corps, et le parfum c'est du 30 ml il me semble, je ne sais plus, mais c'est pas grave, ça me va, parce qu'il m'en reste encore. Donc moi je suis très difficile en parfum, mais là j'avoue que je me suis fait plaisir avec les petites pépites que je porte, les seuls trucs qui me vont d'ailleurs. Et toujours en magasin chez Sephora, je me suis pris ce petit pouce-mousse, ce lavant pour les mains à 2,47€ au lieu de 4,95€. Donc il passait à moins
50%, voilà. Entre temps, j'ai vu la vidéo de Christelle de la chaîne CC Beauty France, qui est une Sephorette, et elle avait trouvé plein de petites choses sympas qui me faisaient vraiment de l'œil en magasin. Donc du coup, je suis partie la voir et j'ai refait des achats donc, du coup, dans son magasin. Elle m'a offert une petite trousse comme ça de chez Clarins avec des petits échantillons dedans. Super. Pareil, encore des petits... de chez Clinique, cette fois-ci des petits échantillons, donc ça pareil, super. Et puis elle m'a aussi offert de l'eau micellaire, donc ça c'est parfait. Autant vous dire, il va y avoir du swatch, hein. La première chose que j'ai trouvée dans son magasin, et je suis dégoûtée de pas en avoir trouvé plus, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, je suis arrivée juste après. J'ai trouvé le lip liner de chez Kat Von D en teinte plush. Je sais pas si vous verrez, parce que là du coup je ne maîtrise pas encore, hein. Donc il passait à moins 30%, donc au lieu de 19,95 il est à 13,96, et bah c'est celui que j'ai sur le visage, voilà, il est juste trop beau. Je vais pas vous le swatcher parce que du coup je l'ai sur le sur les lèvres, hein. Voilà, clairement. Et donc c'est une encre à lèvres liquide mate qui sèche très rapidement et qui est vraiment au top. Ensuite, dans son magasin, j'ai trouvé la Afterglow de chez Urban Decay. Je n'avais pas spécialement envie de l'acheter, mais là j'ai vu 30% au lieu de 37,95, ça passait à 26,56. C'était la seule dans le magasin. Après, je sais pas s'il y en a eu d'autres avant, mais regardez-moi cette petite pépite, c'est juste ouf. Et même là, le petit logo en relief comme ça, on aime, on aime. Et voilà comment elle se présente. Waouh, j'adore, j'ai hâte de pouvoir la tester, de mettre mes doigts et mes pinceaux dedans. La fille est tarée, mais ça, vous le savez déjà. Et la raison pour laquelle je suis allée, c'est pour les rouges à lèvres de chez Urban Decay, parce que je n'avais pas envie de repasser une commande. Sachant que le matin des soldes, j'ai fait une première commande à 8h. Bon, il n'était même pas à 8h, il était un petit peu avant 8h. J'ai fait une première commande. Ensuite, je suis allée faire l'ouverture de Belle Épine. Et quand je suis revenue le soir... En fin de journée, il y avait 10% supplémentaires jusqu'à 10h le lendemain matin. Donc c'est là où j'en ai profité. Et je voulais pas refaire encore une commande. Enfin, je l'ai faite, hein, celle avec les 10% supplémentaires. J'ai recommandé les palettes. Enfin bref, tout est là. Je vais vous montrer. Il y a encore plein de trucs Sephora. Voilà, donc j'aurais pu les commander sur internet, mais j'avais clairement pas envie. Donc il passait à 14€ au lieu de 19,99€. Donc le premier que j'ai pris, c'est un crème et c'est le Chilted. Voilà, vous savez, c'est ces packagings-là de chez Urban Decay. Voilà. Donc, il est juste magnifique. C'est une dinguerie. Hein. Il va falloir que j'enlève tout ça après parce que j'ai plein de fringues à vous montrer. Et clairement, si je les salis, j'aurai le seum. Ensuite, il y a un confort mat et c'est le Bittersweet. Je suis fan. Moi, de toute façon, en ce moment, les rouges à lèvres, je porte du mat, du crémeux, du shine, du... Enfin, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les rouges à lèvres et moi. C'est une grande histoire d'amour. Bah, en fait, ça a toujours été, hein. Ensuite, j'ai pris en crème le Rock Steady, qui est juste magnifique aussi, celui-ci. Mais je vais vous dire ça à tous les rouges à lèvres. Voilà, voilà. Il est juste trop... trop beau celui-là. Oh, il est magnifique. Vraiment. Ensuite, il y a le Shimmer Shimer, le Sheer Shimer, pardon, en teint Sismic. Je vais y arriver. Hop. Il est magnifique celui-ci. Il fait lèvres mouillées comme ça. Il est juste trop beau. En effet, vraiment, lèvres mouillées, comme je vous dis, j'aime vraiment porter de tout en ce moment. Ensuite, j'ai pris le Sheer qui s'appelle Sheer Shame. Ok. Du coup, on a l'impression qu'ils se ressemblent, mais pas du tout. Bah, de toute façon, vous voyez les swatchs à côté. Voilà, toujours cet effet un peu lèvres mouillées. Et ensuite, j'ai pris un métallisé et qui est le Asphyxia. Asphyxia, ouais, c'est ça. Il est trop beau lui aussi, il est trop beau, franchement qu'on se dise, il est trop beau.
Et je vais le mettre ici. Et lui, franchement, il m'a fait kiffer. Celui-ci, il m'a bien fait kiffer. Il est magnifique. Donc voilà, mais c'est pas fini pour Sephora. Du coup, j'ai trois boîtes comme ça à vous montrer. Celle-ci, c'est la plus remplie. Je vais vous épargner les échantillons. Voilà. Sachant que j'ai fait les ventes privées, entre guillemets, les prix sexy chez Sephora avant, avant les soldes. Donc ça, ce sera une autre boîte. Donc ça, pendant les soldes, j'ai pris la brume de chez Rituals parce que je l'adore. De la gamme Ritual of Dao parce que je pense que c'est le parfum que j'aime le plus au monde, clairement. Ce parfum est juste ouf. C'est une brume que vous pouvez vaporiser soit sur votre lit, sur vous-même, sur vos sous-vêtements, sur vos cheveux, enfin ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris la palette de Becca, la Ocean Jewel. Celle-ci, j'avais pas spécialement envie de la commander. Voilà, mais quand je l'ai vu soldée sur le site, j'ai dit ok, c'est bon, tu la commandes. J'adore Becca, de toute façon, ça c'est pas non plus une surprise. Hein. Elle se présente comme ceci, elle est vraiment très très belle. Par contre, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Non, je crois que c'est pas des fards, enfin des fards que j'ai déjà, parce que ce sont des fards pour. Des highlighters, quoi, je vais y arriver. Donc ça se présente comme ceci, c'est juste magnifique. Voilà, donc j'ai hâte. Et puis vous avez toujours le petit papier dessus où il y a écrit le nom des fards, et de toute façon c'est réécrit derrière. Ensuite, chez Zoeva, j'ai pris le coffret qui passait à moins 50%, ça valait super le coup, le coffret des 8 liquides mat lipstick velours. Donc je ne les ai pas swatchés parce que ça faisait partie des colis que je viens de recevoir pendant que je faisais pipi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez 8 encres à lèvres liquides mat. Je vais pas vous faire de swatch, clairement, parce que là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Sinon, c'est... Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Ensuite, j'ai commandé des palettes de chez Zoeva. J'en ai commandé 3 en tout. Là, je vais vous en montrer 2 de cette commande. J'ai déjà commandé la Offline, qui se présentent comme ça. Elles étaient super bien soldées. Donc du coup, voilà, moi qui adore les palettes Zoeva. Franchement, j'en avais que une pour le visage et une pour le teint. C'est la même chose. J'en avais une pour les yeux et une pour le visage. Et du coup, j'avais envie de tester les autres. J'ai commandé la Smoky aussi. Elles étaient vraiment super bien soldées. Donc voilà, j'en ai profité pour prendre aussi celle-ci qui est juste magnifique. Ça, c'est bon pour cette boîte. Oh là là, laisse tomber tout ce qu'il y a comme boîte. Dans les prix sexy, il y avait un code promo où vous aviez des échantillons, 8 échantillons, 8 miniatures offertes pour tout achat. Enfin, c'était à partir de pour 60€ d'achat, clairement. Il y avait des miniatures offertes et du coup, ils m'ont envoyé une boîte avec plein de miniatures dedans. Donc en gros, ce sont des crèmes et des masques. Voilà, je vais pas spécialement m'étaler là-dessus. Je pense que c'est pas trop l'objet de la vidéo, mais c'était un bon plan. Ils m'ont envoyé beaucoup de masques et puis des crèmes herborians, des trucs comme ça, histoire de découvrir la marque. Ensuite, autre commande Sephora, aussi pendant les prix sexy. Donc j'ai pris effectivement une des palettes de chez Zoeva. Cette fois-ci, c'est la Opulence. Elle est vraiment... Je la voulais trop, celle-ci. Bah, de toute façon, je les voulais toutes hein, à la base. Et j'adore celle-ci, franchement. J'adore, j'adore, j'adore. Et oh, je vais vite parce que je vois que je suis en train de blinder la batterie là. Donc, enfin la carte mémoire plutôt. Ensuite, j'ai pris la Distorsion d'Urban Decay. Sachant que la Distorsion d'Urban Decay, c'était pas celle-ci à la base que je voulais. Je pensais que c'était la After Dark, n'importe quoi. Mais j'ai bien fait de la commander, même si elle en solde, elle est passée moins chère qu'en prix sexy. Mais elle n'était plus dispo pendant les soldes sur le site. Donc voilà, elle se présente comme ça. Elle est vraiment, vraiment très, très jolie. Et vous avez les fards qui se présentent comme ça. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une palette où j'aurais pu craquer plus parce que vous avez vraiment des fards, je sais pas si vous verrez, qui sont vraiment duochrome en haut. J'adore, on adore, on adore. Et ouais, du coup, bah voilà.
Ensuite, j'ai commandé le Beauty Amplifier. En fait, c'est la poudre. C'est une base en poudre pour les yeux, pour faire tenir vos fards à paupières. Je pensais sincèrement que c'était la poudre de visage qui passait à 1 € et quelques. Et en fait, non, c'est celle-ci. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Ça va me servir. Du coup, ça va me permettre de tester. Et ensuite, j'ai commandé une encre à lèvres liquide mate, sachant qu'ils en avaient 2 ou 3 de soldés. Et moi, j'ai pris la numéro 19 parce que j'adore ces rouges à lèvres. Bien sûr, j'ai reçu des petits échantillons avec. On a dit, on ne parlait pas des échantillons. Ensuite, dernière boîte Sephora. Et là, je pense que c'est celle où j'ai le plus attendu. Donc, j'ai commandé la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Prism. J'ai vu qu'elle était dans certains magasins. Mais du coup, j'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai commandée tout de suite à l'ouverture sur le site. Et je la voulais tellement, celle-ci. C'est ma toute première palette Anastasia Beverly Hills. Elle est en velours noir, celle-ci. Elle est vraiment canon. Et voilà comment elle se présente. Vous avez un miroir, vous avez un petit pinceau. Et voilà, voilà, voilà. Donc j'ai hâte de la tester, celle-ci. Mais là, je suis en train de me dire, en fait, j'ai commandé beaucoup de palettes. Et j'ai plus de place hein, dans mon rangement. Et ensuite, le Graal qui était disponible sur le site à moins 30%, la palette Festival de Too Faced. Life is a Festival. Je la voulais tellement, toujours à cause de Christelle de la chaîne CC Beauty France. Regardez-moi cette pépite. Non mais sérieux. Faut que j'arrête de regarder les vidéos des copinotes parce que du coup ça me tente de ouf. J'adore, 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 j'adore. Donc on peut faire des make-up de ouf avec. Donc je pense que vous allez voir souvent maintenant que j'ai de quoi vous tourner de belles choses. Je pense que vous allez voir des make-up arriver. Alors on continue. Du coup j'avais plus de place sur ma carte. Donc du coup il faudrait peut-être que j'investisse dans une carte un petit peu plus grande. Hein. On va continuer, j'ai acheté 2-3 trucs vite fait chez Marionno et chez Nocibé. Et puis ensuite, je suis un peu loin là, non? Ouais, voilà. Ça va être de la vidéo du n'importe quoi, c'est la première fois que je filme comme ça avec celle-ci. Donc voilà, on va commencer par ce que j'ai acheté chez Nocibé. Tout simplement, j'ai pris un vernis de chez OPI. Voilà, qui est juste trop beau parce que c'est un gris un peu bleuté comme vous pouvez le voir. Et celui-ci, il s'appelle Less in Nose. Voilà, bon, bah moi c'est moi qui détecte, hein, c'est pas le... On s'en fiche. Ce qui compte, c'est la couleur. Et je l'ai payé quand même 8 € quelque chose, il était à 40%. Voilà, pour Nocibé tout simplement. Et pour Marionno, pareil, j'ai pris 2 vernis à ongles tout simplement parce que je les avais vus au magasin de Belle Épine en solde et sur leur site, je les avais vus en solde. Donc je suis partie à celui de Dreux et dans l'optique de les acheter, de les trouver. Et ils n'étaient pas soldés. Je dis c'est pas possible. Et je l'ai dit à la nana, je dis bah, ils sont soldés partout, même sur le site, mais pas chez vous. Et elle insistait. Donc moi, j'ai insisté encore plus parce que je suis pas du genre... Hein, voilà, vous avez compris maintenant comment je fonctionne. Et effectivement, ils passaient bien à 3 € et quelques, ils étaient à moins 40%. Donc j'ai pris ces deux-là, c'est les My Nail Laker Spring Rivera de chez Marionno. Voilà, tout simplement, donc j'ai pris ce bleu, hop, qui est bleu, voilà, avec des reflets un peu rosés dedans. Et l'autre, il s'appelle comment celui-ci, il s'appelle Blue Cruise. Et l'autre, il s'appelle Muse Grey et il est juste trop magnifique aussi. C'est clairement un mauve, enfin, le multichrome quoi, un peu comme le bleu. Voilà, donc ça c'était pour Marionno et Nocibé. Ensuite, j'ai fait plein de petits achats chez H&M. Alors, je vais déjà commencer par tout ce qui est accessoires. Je me suis acheté cette paire de lunettes qui est dégueulasse. Oh là là, elle est sale. Et celle-ci, elle valait... Mais non, je suis con. Ça, c'est mes anciennes. C'est pour ça que je me dis, elles sont dégueulasses parce qu'elles sont toutes rayées à cause de mon neveu. Enfin bref, du coup, j'en ai repris une nouvelle qui est censée être propre.
Voilà, voilà, c'est celle-ci que j'ai prise. Et celle-ci est passée à 4 euros, enfin 3,99. Voilà, et il y avait plusieurs couleurs. Donc comme les miennes sont complètement pétées, elles sont rayées de partout, celle-ci là, j'ai dit bon allez, c'est l'occasion. Ensuite, toujours en accessoire chez H&M, j'ai pris des brumes parfumées qui passaient à 1 euro. Eh ben, c'est 1 euro au lieu de 2,99. Voilà, j'en ai pris une qui est à la pêche et l'autre, je sais pas, elles sentent vraiment très très bon. Je vous conseille ces petites brumes là. Ça faisait un petit moment que je les regardais et j'attendais à chaque fois les soldes. J'ai dit, bon, un jour elles sont peut-être soldées. Et il y en a une aussi bleue qui est pas mal, mais là elle n'y était pas. Mais ça, je vous les conseille pour mettre sur le corps ou pour mettre sur vos draps ou sur vos coussins, vos canapés, enfin où vous voulez. Alors, reste des brumes parfumées, hein, mais je crois qu'il y a de l'alcool dedans, donc je sais pas trop. Bah, comment tu veux? Il y a de l'eau, ça c'est sûr. Non, non, non. Tellement écrit chelou qu'on n'arrive pas trop à lire. Enfin bref. Et ensuite, pour terminer en accessoire chez H&M, j'ai pris des boucles d'oreilles. Donc j'ai pris ce set avec, bah voilà, 3 paires à 1,99€, comme vous pouvez le voir. Ensuite, folie pompon, voilà. J'ai pris celles qui sont bleu roi. Il y a un dégradé de bleu là, comme vous pouvez le voir. Ensuite, bah, j'ai pris ces deux paires qui sont identiques, c'est juste la couleur qui change. Voilà, qui passait à 2,99€. Elles sont vraiment superbes aussi. Je trouve que ça va faire plutôt sympa tout ça. Ensuite, je suis allée chez Courir et j'ai craqué pour une nouvelle paire de baskets. Une New Balance. Et franchement, celles-ci, je les voulais tellement. Elles étaient soldées à moins 40%. Donc au lieu de 100 euros, je les ai payées 60 euros. Et voilà la bête. Je les ai déjà portées, clairement. Voilà, j'avais pas de paire argentée. Et du coup, bah voilà. Maintenant j'en ai une. Elles sont vraiment trop confortables, les New Balance. Je vous avais présenté une paire il n'y a pas si longtemps quand j'ai fait mon achat chez Vinted, où j'ai acheté effectivement une paire à 10 balles à une nana. Donc heureuse j'étais. On va terminer par vraiment les fringues. Bah, ça y est, maintenant on y est aux fringues. Je suis passée chez MS Mode. J'ai acheté des petites choses sympas. Alors notamment cette chemise là. Moi qui adore les chemises, maintenant elle est toute froissée. C'est une chemise blanche. Toute simple, voilà, très. Je l'ai prise grande, je crois, ouais, je l'ai prise en taille 50 parce que je voulais vraiment qu'elle soit lâche. Vous savez, que vous puissiez la mettre avec un espèce de trekking ou de slim, voilà. Et celle-ci, je l'ai prise aussi en taille 50 et d'ailleurs, si, je les ai essayées, elles sont un peu. Donc voilà, celle-ci, elle est à poids et là, vous êtes en train de vous défoncer les yeux. Je sais, je suis là pour ça. Et pour terminer chez MS Mode, je me suis pris deux leggings / trekking et j'ai pris 48 cette fois-ci. En fait, j'ai pris un legging tout simple comme ça, mais sur le côté vous avez une bande blanche. Il est légèrement grand, je vous avouerai, mais au moins je suis à l'aise, je peux aller manger tranquillou au resto, ça passe crème. Et j'ai pris le même, toujours la même taille, sauf que cette fois-ci sur le côté c'est un je reçois plein de messages. C'est une bande en semi en sky comme ça. Ensuite, on va passer à un de mes magasins dont je vous parle souvent, c'est le magasin Toscane. Et le sac, comment vous dire qu'il est tellement grand que je peux mettre mes neveux dedans. En fait, Toscane, c'est un magasin qui est exprès pour les grandes tailles. Et ce qu'il y a de cool avec, c'est que vous pouvez vraiment trouver tout à votre morphologie, tout simplement. Et vous êtes à l'aise, ça c'est sûr. Téléphone qui a sonné entre temps, donc je sais même plus ce que je disais. Je parlais effectivement de Toscane, où je disais que c'est vraiment des fringues, voilà, adaptées à votre morphologie. Alors après, les prix sont un peu chers, mais c'est vraiment de la qualité, donc j'attendais vraiment les soldes pour pouvoir vous filmer cette vidéo, hein. Enfin, du moins, pour pouvoir faire mes achats. Donc, j'avais déjà fait du repérage en magasin. La première chose que j'avais repérée, c'est cette chemise en jean, voilà, avec des espèces de fleurs dessus. Et elle passait aussi à moins 50%. Donc, c'est pour vous dire, le prix de base, c'est 55,95€. Voilà, ça fait mal aux cheveux. Mais elle est juste perfecte, j'ai envie de dire. Au niveau de la coupe, elle est juste trop bien. J'en ai pris une deuxième comme ça.
avec des petites fleurs, toujours à moins 50%. Voilà, pareil, celle-ci, elle tombe super bien, elle est vraiment pile au poil. Et la dernière petite chemise en jean que j'ai prise, elle est aussi avec des pois. Voilà, et celle-ci, les manches, elles sont 3/4. Je sais pas comment vous expliquer, elles arrivent vraiment à ce niveau-là, quoi. Donc, ça fait aussi un petit effet, un petit truc en plus. Et chez eux, j'ai également pris un jean parce que leurs jeans sont vraiment bien taillés. C'est vraiment un jean un peu trekking celui-ci. Vous voyez, il est très extensible. Derrière, vous avez les poches et vous avez les passants. Et voilà, il est tout slim. Ça, j'adore. Et pour finir, chez Toscane, j'ai pris, et ça c'était à moins 30%, ce foulard que je lorgnais dessus déjà depuis un petit bout de temps. Vous savez que j'adore les foulards, hein, je viens de vous en présenter un il n'y a pas longtemps. Donc voilà, encore un achat de foulard. Non, clairement, j'avais pas assez de foulard. Ensuite, on va passer au plus gros. H&M, je vous ai déjà montré tout ce qui était accessoire. Et bah, je me suis lâchée sur les fringues, à commencer par ce t-shirt. J'ai pris un t-shirt, au-dessus il y a écrit l'amour. Là, j'ai fait un petit nœud comme ça pour que ça fasse sympa. Et celui-ci, tenez-vous bien, il passait à 2,99€. Voilà, c'est bon, on aime ça. Alors ensuite, j'ai pris une robe. Ça, c'était dans la grande taille. Au lieu de 24,99€, elle passait à 9,99€. Et je pourrais pas vous la montrer clairement. C'est une robe qui est très longue. Elle est fendue sur les côtés, voilà. Elle a les manches longues et elle est vraiment trop belle. J'ai hâte de la porter. La matière est assez un peu en espèce de crêpe. Je sais pas comment vous expliquer. Ensuite, j'adore les sweats. Ça aussi, si vous me connaissez, vous savez. Donc j'ai pris ce sweat à capuche bleue avec des petites fleurs dessus. J'adore aussi les fleurs. Et au lieu de 24,99€, je l'ai payé 9,99€. Voilà, on aime bien, on aime bien. Ensuite, dans la folie des t-shirts, j'ai pris ce t-shirt Jurassic Park, voilà, qui est gris foncé. Il est vraiment trop beau. J'adore, moi, de toute façon, tous les t-shirts en hiver, je les porte avec des blazers. Je trouve ça trop cool. Et au lieu de 9,99€, il passait à 4,99€. Voilà, donc comment vous dire que ça... C'est bon ça. Encore un autre t-shirt à 9,99€ qui passait cette fois-ci à 3,99€. Et c'est un t-shirt des Rolling Stones. You know. Caro, si tu passes par là, team t-shirt. Ensuite, j'ai repris un autre sweat cette fois-ci qui n'était pas à capuche. Il passait au lieu de 19,99€ à 9,99€. Et voilà, il est rose avec des petites fleurs ici en relief pour se toucher la tétouille. Voilà. Ensuite, on va continuer dans la chemise. Hein. Tout ce que je montre, c'est H&M. Au lieu de 19,99€, c'est passé à 8,99€. Et je l'ai pris aussi en taille 50 parce que je trouvais qu'elle taillait vachement mal, quoi. Voilà, c'est une chemise avec des oiseaux, des petites oiseaux. Des petites oiseaux, voilà, vous comprenez que je ne sais pas parler, mais ça, c'est pas non plus une grande nouvelle pour vous. Ensuite, au lieu de 19,99€, ça passait à 9,99€, toujours un sweat où il y a écrit Dreaming. Il est trop beau celui-ci, il est super lourd, par contre il est en moutmout. Tant vous dire que j'ai tout essayé en rentrant hier à la maison, que j'avais chaud. Déjà là j'ai chaud. Ensuite, toujours un sweat mais beaucoup plus léger qui passait à 2,99€ au lieu de 9,99€. C'est un sweat un peu comme ça. J'adore la couleur. Bah, ça va un peu avec le vernis de chez OPI que j'ai acheté là. Et c'est le Santa Monica. Ça sent que j'ai oublié de vous dire, le H&M où je vais, c'est celui de Barjouville. Il y a toujours des fringues moins chères que dans les autres, parce que là tout ce que je vous montre, si vous allez voir sur le site, ce sera beaucoup plus cher. J'ai pas compris pourquoi ce magasin tous les ans, vous rappelez pas mon ancien haul sold, j'avais fait des affaires à 2€, 1€, et bah là c'est pareil et c'est beaucoup moins cher que dans les autres, donc je comprends pas. Même sur le site actuellement ils sont plus chers, hein, de ces produits là
que voilà, je dis ça, je dis rien. Chemise, toujours chemise un jour, ça j'ai pris en taille, bah toujours 50 décidément, et c'était 13,99 au lieu de 24,99, mais je crois qu'elle est passée moins chère celle-ci. La petite chemise des familles, la petite chemise hawaïenne. Non mais franchement, je vois trop ça avec un jean, un gros sac, des lunettes comme ça, enfin voilà, bref, ça c'est tout moi. Quand je vois un truc, je me fais ma tenue dans la tête. Ensuite un sweat qui est un peu plus léger, un peu comme le Santa Monica. Celui-ci, il passait à 2,99 au lieu de 9,99. Où il y a écrit Superior, yes, it's me. Et je crois que c'est la fin, ouais. Un sweat à capuche pour pas changer, au lieu de 24,99, il passait à 9,99. Et ça, c'est mon favorite. C'est le Pepsi. Voilà, voilà, avec sa petite capuche. Il est trop magnifique. Bon, entre temps, j'ai reçu ma commande Mac. Alors, il est passé, donc on n'était pas là. Hein. C'était quand on était en train de filmer. Et pour info, on n'était pas là. Vous rappelez-vous? Donc comme je viens de voir le papier qu'il fallait que j'attende 15 heures pour aller chercher, alors qu'on a commencé à tourner ce matin, il était 8 heures, enfin bref, tant pis. Là du coup j'ai une tête de défraîchi parce que j'en ai profité pour aller faire mes courses parce que mon frigo il était vide. Bref, j'ai récupéré le colis qui était dans un point relais. Donc je vous montre tout ce que j'ai commandé du coup pendant les soldes. Donc comme d'habitude chez Mac il y avait des moins 50, moins 30 et moins 40%. Là je pourrais plus vous dire lesquels sont à moins 30, moins 40, moins 50. Et il y avait un code qui est toujours valable sur internet. Lorsque vous commandez en ligne, vous recevez 8 échantillons. C'est à partir de 50 euros d'achat, donc ça vaut grave le coup. Donc le premier échantillon hein, que j'ai reçu, c'est des... Il y en a 3 comme ça, c'est des... Les best-sellers en fait. Donc ça, clairement, je les ai déjà, à part le Morange que je n'ai pas et le Little Buddha. Le reste, je l'ai, mais de toute façon, c'est ces trois-là qui sont en échantillon. Donc ça, on verra. Ensuite, oh là là, je suis toute rouge, c'est mon sac de course. Enfin bref, du coup, vu que j'avais encore de je sais plus quoi, j'ai dépassé je sais plus combien d'achats, j'avais encore droit à 3 échantillons, 3 autres en plus des 8. Donc j'ai pris la primer, c'est la Strub Unim, voilà, c'est un, on y arrive, c'est hydratant lumineux en fait, c'est un primer tout simplement. Donc j'en ai eu 2, c'est comme ceci, voilà, c'est trop bien parce que j'adore découvrir les produits MAC, vous savez que je suis une grande fan de MAC et que voilà, je peux pas faire les soldes sans me prendre un... Bah du MAC quoi. Là j'ai pris une autre base aussi lumière. Celle-ci aussi qui est plutôt sympa. Je vous montrerai ce que j'ai pris après. Hein. Y a des choses donc c'est en double parce que c'est les trucs que j'ai droit en plus. Donc là j'ai 2 mascaras. J'ai le In Extreme Dimension 3D Black. Et j'ai le Face Lash Extreme Black. Donc ce sont 2 mascaras apparemment qui sont différents. Je les aime beaucoup les mascaras de chez MAC. Ouais, celui-ci c'est lui qui est très long et qui a une brosse en une espèce de silicone. Et celui-ci, ça me parle pas par contre. Ah ouais, celui-ci, il a une brosse qui est en poil. Et j'adore les brosses en poil. Ensuite, on va continuer dans les échantillons. Après, on aura fini. Après, c'est que des rouges à lèvres que j'ai commandé. Donc, on a reçu une huile démaquillante, voilà, que je connaissais pas du tout. Ensuite, on a reçu quoi d'autre? Enfin, on, je dis non, c'est moi. Démaquillant pour les yeux, donc ça, c'est nickel. Et on a reçu également un échantillon du Studio Fix, du fond de teint Studio Fix Plus, en SPF 15. Et c'est la teinte 20, celle-ci, il me semble. Voilà, NC20, qui est un chouï trop foncé pour moi. Il me semble que c'est la 20, c'est la 25 qui m'a envoyé. Enfin, je sais plus. Enfin, plaît-il? On va passer au vif du sujet. Donc j'ai commandé des vernis à ongles. Oui, bien sûr, des vernis à ongles. Hein. J'ai commandé donc des... je suis en train de regarder si je me suis pas... si j'ai pas des doubles. Normalement, non. Alors, on va commencer par celui-ci qui est le Vaillant. Ça, c'est une des dernières collections qui est sortie avec les mattes très foncés. Et c'est donc c'est le mat Vaillant, voilà, tout simplement.
et il est juste trop trop magnifique. On va commencer les swatchs. Je l'avais vu celui-ci mais en magasin du coup il n'y était plus, donc clairement c'est un, on va appeler ça dans le jargon, on va appeler ça un cerise noire, voilà. Ensuite on a le Velvet Révillon. Alors celui-ci, c'est celui-ci que je ne sais plus si je l'ai ou pas. Je vais mettre ça là. Et c'est un mat et je crois pas que je l'ai celui-là, je ne pense pas. Ah non non, oui effectivement je ne l'ai pas celui-ci. Et à chaque fois vous allez me dire, mais Marie, ce que tu commandes c'est toujours les mêmes couleurs. Vous allez voir, il y a d'autres couleurs mais c'est, on dirait toujours un chouille que c'est pareil mais c'est pas pareil. Voilà, c'est comme ça. Ensuite on a le Fort Eva. Le Fort Eva, je le voulais depuis longtemps, il était dans ma wishlist. Donc quand j'ai vu qu'il était en solde, j'ai dit ok. Et c'est aussi un mat, le Fort Eva. Je sais pas si il va vouloir faire un focus. Ouais, non. Et si, voilà. Faut pas le contrarier, il est juste trop beau le Fort Eva. Je sais pas pourquoi je... Enfin si, je le voulais, c'est sûr, mais je sais pas pourquoi je... J'ai pas sauté le cap avant, quoi. Voilà. Ensuite, on a le Victorian. Victorian. Hop. Et le Victorian, c'est aussi un mat. C'était vraiment, vraiment pas fait exprès parce que je sais que j'ai pas que des mats. Hop. Je crois qu'il faisait aussi partie des collections, des nouvelles collections. Oh, il est magnifique celui-ci. Il est vraiment splendide. Waouh. J'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite, pour terminer, on a le Del Rio. Et Del Rio, eh bah, c'est pas un mat et c'est pas un marron. Et c'est pas un mauve, c'est un satin. Et celui-ci, il est déjà en rupture, il me semble. Et voilà, bon, il fait un peu marron, oui, forcément. Je vais vous le mettre là, tiens. Et il est trop magnifique. J'aime beaucoup aussi les gammes satinées comme ça chez MAC. Donc voilà. Pour ma petite aparté de chez MAC. Et encore un grand bravo au livreur du PS pour ce super, son super professionnalisme. Je vais y arriver. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à rajouter ça à ma collection. Et je vais attendre la troisième démarque parce que la troisième démarque, il y a toujours encore plus de soldes de fifou. Et ben voilà les gars, voilà. J'ai tous mes achats autour de moi, je vous ai tout présenté, mis à part bien sûr MAC qui a décidé de ne toujours pas venir. Je suis dégoûtée parce que j'avais commandé plein de petits rouges à lèvres trop mignons, tout choubidou, tout choubidou. Donc entre temps, le temps que je fasse mon montage, peut-être que ça va arriver parce qu'il y a écrit que c'était une livraison aujourd'hui. Donc on verra bien. Je ne pense pas qu'il y aura une suite des soldes, hein. Je pense que vous avez compris pourquoi, hein. N'hésitez pas à vous, à me dire en commentaire si vous avez craqué sur les soldes, si vous avez trouvé des petites choses, des petites pépites, des merveilles de... Voilà, hein. Bon, en tout cas, j'ai fait l'affaire du siècle, clairement. Ouais. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.